Salut les amis, bienvenue sur Axomadara TV. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends et sa saison 9. Et plus particulièrement, on va parler du mode arène. Alors ce fameux mode arène, je vous avoue que j'y ai beaucoup joué depuis la sortie de la saison 9 et je me demande si je vais pas vous faire une vidéo un petit peu tuto ou conseil avec des petites astuces à utiliser pour vraiment optimiser vos chances de victoire, parce que maintenant je pense que je commence à bien maîtriser tout ça. Il y a vraiment des choses à savoir au niveau du placement, des petites stratégies qui peuvent vous permettre d'engager un fight facilement en mettant des dégâts directement à vos ennemis sans prendre trop de risques. Enfin bref, pour l'instant, je note tout ça sur un petit calepin et je pense qu'à un moment donné, je vais vous lâcher une vidéo pas mal sur ce sujet. Parce que bon, je vais pas vous mentir, quand j'ai fait le playtest sur les arénas avec 3 heures de jeu, c'était peut-être un petit peu compliqué. Vous lâchez un tuto dans la foulée. Aujourd'hui, on va parler du mode classé de ce mode arena et normalement, bah, il devrait voir le jour assez rapidement dans le jeu. Alors, malheureusement, on n'a pas d'info officielle, mais je pense entre deux possibilités. Moi, perso, je pense que ça va sortir en saison 10, la saison 9 étant un petit peu la saison de chauffe sur ce mode arena, le temps qu'il puisse exploiter toutes les statistiques, toutes les données, et ensuite, en saison 10, on aura un mode classé avec une annonce en début de saison, avec les rewards, tout ça, etc. Mais il y a quelque chose aussi qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, quand vous allez dans le menu des statistiques de votre saison et que vous allez sur l'onglet Arena, et bien à droite, vous avez un onglet saison 9 Arena classé. Alors, ce n'est pas impossible que ça arrive en cours de saison, mais je suis assez sceptique. Dans tous les cas, les amis, on va surveiller ça de tout près, parce qu'il va y avoir des events qui vont arriver, notamment des events sur le mode Arena avec des rewards à gagner. J'en ai déjà parlé dans mon dernier journal d'Apex, et je pense qu'à chaque fois qu'on aura des petites mises à jour, on aura plus d'infos, et vous savez que des data miners seront les premiers à nous lâcher les infos sur ce futur mode classé qui devra arriver très rapidement. Ensuite, sur Reddit, il y a eu plusieurs posts où des joueurs réclamaient la map du Gauntlet d'Octane, le fameux parcours d'Octane sur King's Canyon en version arène. Et là, on a Daniel Zenon Klein qui a posté pas mal d'informations en disant que le Gauntlet d'Octane c'était bien trop petit pour en faire une map d'arène, parce qu'en fait, il faut plusieurs points d'intérêt, plusieurs endroits où on peut prendre des lignes, et ce n'est pas faisable sur cet endroit de la map de King's Canyon. Il nous dit qu'il y aura bien évidemment d'autres zones connues des maps Battle Royale qui vont arriver en mode arène. On pense déjà à Thermal Station qui est déjà prête, et aussi les Jardins d'Olympus que l'on retrouvera dans la rotation de la troisième map d'arène. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Pour l'instant, moi je vous avoue que Party Crasher et Phase Runner, ce sont vraiment deux maps trop bien faites. Je les kiffe vraiment bien plus qu'Artillery que l'on connaît déjà. Par exemple, Artillery, c'est pas mal, mais je trouve vraiment que Party Crasher et Phase Runner sont vraiment mieux conçus et mieux faites. Et donc, pour en revenir au Gauntlet d'Octane, il nous dit qu'en fait, il faudrait retravailler cette zone, et le travail qu'il faudrait accomplir pour retravailler cette zone, eh bien, il vaut mieux le mettre sur la création d'une nouvelle map, comme les deux que je viens de vous évoquer précédemment. En revanche, attendez-vous à ce qu'on retrouve plein d'autres zones dans le futur, et ça m'étonnerait pas qu'on retrouve un jour la fameuse Skull Town, qui nous ferait vraiment plaisir tellement elle manque aux joueurs. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en ce moment si vous jouez plus au mode Arena, si vous jouez plus au mode Battle Royale, je suis vraiment curieux. Je pense que je vais faire un petit sondage sur Twitter pour essayer de voir un petit peu en ce début de saison quelle est la part des joueurs. Moi je vous avoue, j'ai fait pas mal de parties en Battle Royale également. On va dire que je suis plutôt sur du 60-40 avec du 60 en arène et du 40 en BR. J'ai recommencé la classée, mais je crois que je vais attendre encore quelques jours parce que la classée en début de saison, bah, c'est pas vraiment équilibré. Je tombe encore pas mal dans des lobbies avec des joueurs diamants, master. Et bon, pour progresser plus rapidement, c'est un peu relou. Donc je vais attendre encore, je pense, quelques jours, voire une semaine avant de me relancer à fond dans la classée. Et je pense que je vais repasser sur un équilibre à peu près 50-50. Mais voilà, je suis vraiment curieux parce que je sais qu'il y a des joueurs qui sont venus spécialement se relancer sur cette saison 9 pour jouer exclusivement au mode Arena et qui attendent avec impatience le mode classé. En tout cas les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'ici et de continuer à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, vous abonner, et je vous dis à très vite pour d'autres informations sur Apex. Bonne journée à tous.